Bonsoir, ici Zora Larousse. Oh, je suis mais orange. Comme voilà, j'avais fait une vidéo cet après-midi dans la voiture puisque je suis allée chez Noz, puisque c'était à Hall. Pourquoi je dis ça? Oui, je vais dans 2 jours, je vais travailler, donc je vais me laver les cheveux demain et après-demain, histoire de bien éponger le roux. Et bon, après ça va, ça va. Voilà, donc à Olmoz, aller-retour, je me suis pas rendu compte, entre guillemets, qu'on était mercredi, que c'était pas le jour le meilleur, en tout cas à Saint-Paul-et-Dax. Mais bon, j'en ai eu quand même pour 28 euros. Ouais. Ouais, j'ai pas trop acheté de conneries. Mais quand on va à Noz, on achète toujours des conneries. Donc j'ai acheté ça, alors c'est Soleil, alors combien? 79 centimes, fuyé, enfin en tout cas pour moi, fuyé. Ça a le goût de aucun goût. Voilà, on dirait qu'il y a du goût, mais en fin de compte, c'est du goût dégueulasse. Voilà, bon, je ne sais pas. Alors, si vous voulez ne plus avoir certains amis à la maison, vous leur proposez cela, ceci, cela. Et voilà. Donc, j'avais fait un haul, enfin, un mini blabla. Et en fin de compte, je me suis aperçue que c'est pas peine de le faire. Voilà. Donc je l'ai effacé, peut même pas être mis en ligne par surprise. Voilà, alors donc pour faire passer le goût dégueulasse de cette merde sans nom, j'ai acheté du Mojito, alors Mojito, l'Orino Mojito, 49 centimes. Oui, bon, c'est du Mojito parce que j'ai reçu quelqu'un, c'était quand? Mardi soir? Dimanche soir? J'avais deux bières qui se battaient en duel dans mon frigo. Donc maintenant j'ai honte. C'est pour ça qu'hier aussi vous avez vu que j'avais acheté beaucoup de boissons. Bon, ça là, je vais la finir. Voilà, je l'ai jetée. Voilà. Alors, là j'ai payé carte noire 8,65. Je ne sais pas si j'ai il y a combien de 4 fois. Alors 2 et 2. Je me comprends. Là, je vous ferai une vidéo le premier jour de ça. Vous verrez qu'il y a les deux paquets de café. Voilà. Mais j'en garde deux pour moi. Enfin, pour la maison. Tac, ça c'est du random hein, total. Du Jordan 1,69, j'en ai pris deux. Alors, au myrtille, histoire de grignoter sans culpabiliser. Alors, il y a un paquet noir, un paquet de stylos noirs, un paquet de stylos bleus pour Elena. C'est ce que j'en ai acheté un pour moi, donc 1,99 chaque. J'adore écrire avec ça sur mon agenda. Ça gratte. J'entends le gratte. Et j'adore entendre le gratte quand j'écris. Voilà. Donc, ça, c'est pour Elena. C'est pour son stock. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y avait des crayons à papier, mais ce n'était pas des HB. Bon, quand même, bon stock. Que je renouvellerai bien sûr au fur et à mesure de l'année. Chaque fois, j'irai à Noz. Alors, on s'en fout. Oula! C'est des trucs qui n'ont rien à voir ensemble. Bon, ça, je le mets là. Ça, alors, Thai Sweet Chili, j'espère que ce n'est pas trop piquant, mais pour mais tout ce qui est wok, tout ce qui est légumerie, voilà. Avoir un peu de goût, hein. Voilà. Des lingettes en veux-tu en voilà, j'ai commencé un nouveau paquet, donc il y a un paquet remplace. Non, mais je fais vraiment du stock parce que je ne sais pas à quel niveau je vais aller cet hiver. Donc je ne sais pas si je reviendrai. Bon, il y a toujours des autres magasins, certes, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, Noz restera toujours Noz hein, dans mon cœur. Donc voilà, donc si un jour je ne peux pas aller à Noz, moi j'aurai du stock. En parlant de ça, bon, vous verrez, je vous raconterai. Ça, je crois que j'ai vu passer à 40 centimes. C'est Toallita desmaquillante, tonico agua micellar, rostro o los labios, rostro, le visage, les yeux, les lèvres. Tonifican desmaquillan ni limpian. Tonifie, démaquille et limpia, nettoie. Mais là, au pluriel. Usage uso diario, hipoallergénicos, anergénicas. Testado dermatologicamente et ophtalmologicamente, c'est-à-dire que ça a été testé sur la peau et sur les yeux. Et ça, je l'ai vu passer, je crois que je l'ai vu passer à. Les Sweet Chili, il n'y a pas de prix.
Les sweet chili. Ça va être pas la meilleure. Hein. Ça, c'est 50. Ah oui, 40 centimes. 40 centimes. Tout ce qui est Hélène, c'est là. Tout ce qui est Elena, c'est là. Tout ce qui est bouffe, c'est là. Et donc, je vous. Voilà, paprika, c'est 79 centimes, donc. 40 centimes, oui, c'est ça. Ah oui, 40 centimes, comme les dernières que j'avais achetées. Des Coca-Cola. Parce que je vous dis, j'ai eu honte d'avoir un frigo vide. Mais honte, honte. Alors qu'on m'avait proposé, je ne sais pas combien de boissons, la personne m'avait proposé la veille 1 milliard de boissons, imagine, de la bière ou de l'eau. Donc voilà, est-ce que cette personne va revenir? Ça, c'est déjà un autre débat. Mais si elle revient, ou d'autres personnes comme ça, il y aura. Je pense pas. Bref. Bouillon cube, j'ai vu passer, c'était 70 centimes. Alors, Coca-Cola. Coca-Cola. $1,92 les 6 canettes? Mais c'est quoi ce truc? Bah. Deuxième de chez Muesli. Ça, la chose la moins écologique du monde, 99 centimes. Ça me donne soif, c'est bon. Après, pour les chiottes, 1,49 Wildflower, je ne l'ai même pas senti. Ah, mais il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien. Il y a eu quand même des bonnes pertes. Hein. Oh là, bah, pareil que l'autre. Hein. C'est gros charge à la base. Hein. Oh, ça sent. Ça sent les chiottes de collectivité. ça, c'est pareil. Mais ça, c'est plus pour la. Ah, c'est comme ça. Ah oui, ça sent. Le linge frais. À défaut. Et ça, j'ai payé 80 centimes de chez Pure Air. Je sais pas, il n'y a pas Pure Air à Action. Je sais pas. Après. Une boisson matcha. Oh, je prenais au hasard. Entre guillemets, on va faire comme ça. $35 centimes. Ça, 79 centimes. Ça, c'est. Ça, c'est du stock. Ça, c'est du stock aussi. Parce que comme je vous dis, je ne sais pas où je vais. Je les ai retrouvés. Je les ai retrouvés. Je les ai retrouvés comme si j'avais pas assez de masques. Donc, Mascouri. Alors ça c'est nouveau. J'avais jamais vu j'avais pas vu la première fois. C'est donc toujours la maison de Corée. Hein. Citron masque tissu au citron. Yuzu. Est-ce que c'est Yuzu, est-ce que c'est trop? Grenade, maison de Corée toujours. Hein, et blueberry, je n'avais pas vu non plus. Je crois que j'avais vu le riz et la grenade la première fois. Donc la myrtille, c'est pour raffermir, pour rafraîchir, pour détoxifier le Yuzu et pour blanchir. J'étais pas assez blanche.
Voilà. Après, du stock. Des cotons-tiges, en veux-tu, en voilà. Alors que je me lave pas les oreilles tout le temps, mais bon. C'est quand on n'aura plus qu'il faudra se laver les oreilles, quoi. Ma fille, elle fait, laisse-moi faire, ça me repose. Coton-tige, 59 centimes. Ben non, c'est marqué dessus. J'avais pas vu. La seule bougie qui sentait de tout le magasin. Ça sent je ne sais pas quoi. Donc, 89 centimes. Bienvenue. Et... Ah, j'ai peur. Je pense que pour les étés à Noz, la mèche était avalée par la cire. Donc, voilà. Donc, ça va reprendre, ça va remettre le stock de bougies. Il faut que je rallume. Comme j'avance sur mon stock de... Vous allez voir en produit fini. Comme j'avance sur mon stock de produits de douche. Donc, un produit de douche à 69 centimes. Au basilic. Basilic... Ouais, ça. Mmh. Ah, ça à la limite même du parfum. Oh, je vais sentir bon. Je vais sentir bon. Ouais, super. Oh, de la crème. Non, c'est du gel douche. Bref. Du stock, toujours pour cet hiver, 1,49 de... du produit blanc. Hein. Le produit bleu, j'ai toujours pas testé. Parce que là, je suis sur un autre produit qui est à la base pour nettoyer la salle de bain. Je le fais partout. Je le mets partout. Après. Là, dès que je l'ai vu, je l'ai repris, la fameuse bière 69 centimes que j'ai adorée. Bref, il faut toujours une bière dans mon frigo. Et une trousse, parce qu'Elena m'a demandé la dernière fois une trousse pour mettre ses feutres, ses stylos, je ne sais pas, c'est elle qui va s'organiser, elle a la trousse principale, mais elle va avoir une trousse, je pense, pour les feutres et une trousse pour les... Je ne sais pas trop quoi. Ma fille. Allez, multiplication des petits pains, multiplication multiplication, pas multiplication des pains, mais multiplication des sacs, des sacoches, des pochettes, des trousses. Bienvenue dans le monde d'Hélène. Voilà, donc, spray douche. Ah oui, le spray douche, le blanc, là. Le blanc, il est là. 1,49, donc, et voilà. Donc, j'en ai eu pour 38,54. Voilà. Mais alors, avec... au niveau du maquillage, même pas la peine d'y penser. J'espère revenir assez rapidement. Et trouver des choses sympas, mais bon, c'est bon, je pense qu'au niveau du maquillage, du démaquillage et du machin, j'en ai. J'ai commandé Ah putain, le truc là pour figer le maquillage pour cet hiver. Je ressens fin septembre, donc c'est très bien. Voilà, donc je vais me laver. Je vais enlever le produit de douche qui sent super. On en boufferait. Non. Ah, ça sent trop bon. Mais franchement, 69 centimes. Ah oui, non, pardon. Basilic citronnelle, voilà. Ah, c'est pour ça que ça sent l'été. Voilà. Bon, mais je vais faire ça vu que je pense que c'est pas avant février-mars. Voilà. Donc, en gros, tout ça pour dire que j'avais fait aussi une vidéo. Donc, je vous ai dit en début de vidéo que j'avais fait une vidéo dans la voiture où je racontais un peu mes péripéties. Mais que quelque part, j'avais envie de vous raconter... Mais est-ce que c'est, je pense que c'est un peu trop... Oh putain, comment on dit? Prématuré, voilà. Prématuré, voilà. Je vais ranger. Je suis désolée. On verra bien. On verra. Qui vivra, verra. Et dès que je reprends et je vous fais une annonce, je reprends les vidéos blabla à partir du... mois de septembre, dès le premier vendredi de septembre, quel que soit l'endroit, la voiture, la maison, ou chez moi les chiottes, ou chez moi, ou dans la voiture, eh ben, je ferai une vidéo. Voilà, blabla, ça y est, ça recommence, etc., etc. Voilà, en tout cas, je vous fais de très gros bisous, ça va recommencer en même temps que la couture, donc c'est tous les vendredis, comme d'habitude, donc on va recommencer le blabla vidéo 1, etc., etc., pour raconter la semaine. Alors,
J'espère, je pense qu'elle sera très très longue la première parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. J'espère qu'il y aura des choses positives à vous raconter. Bon, déjà, il y aura sûr une chose positive, mais vous savez très bien de quoi à quoi je me réfère. Mais voilà. Donc, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je souhaite une très bonne fin de journée, un très bon visionnage et je vous souhaite un très bon jour férié. Mouah!